En Bosnie, la trêve n'aura duré que quelques heures. À Sarajevo, une base installée par des casques bleus français est très violemment pilonnée. Israël a lancé une douzaine de raids aériens sur le territoire libanais. Quatre soldats syriens tués. Très vive tension entre Damas et Jérusalem. Invité de ce journal, le président de la Ligue nationale de football, Noël Le Graët, avec qui nous ferons le point en compagnie d'Hervé Bourges sur les multiples incidents ayant opposé ces jours-ci les responsables de l'OM aux télévisions de service public. Le patron de la Ligue qui commentera également la démission annoncée aujourd'hui par Jean-Pierre Bernès de son poste de directeur général de l'Olympique de Marseille. Autre invité de ce journal, si jamais on le retrouve, Miguel Indurain, qui a remporté pour la troisième année consécutive le Tour de France, rejoignant ainsi dans la légende Bobet, Anquetil et Merckx. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau rebondissement dans le feuilleton de l'été, l'affaire Valenciennes-OM, à savoir l'offre de démission faite par Jean-Pierre Bernès à Bernard Tapie de son poste de directeur général de l'Olympique de Marseille, avec cette argumentation: tant que mon innocence n'aura pas été reconnue, l'OM ne peut rester l'otage de ceux qui, à travers ma personne, cherchent avant tout la destruction du club. Christophe Tortora. Il était resté à l'ombre pendant plus de 2 semaines sans craquer. Hier soir, Jean-Pierre Bernès a été remercié, acclamé par 35 000 Marseillais. Pendant plus de 10 minutes, il est venu saluer les supporters, effectuant même un tour d'honneur réservé généralement au soir de victoire. Mais le directeur général de l'OM a peut-être aussi hier dit adieu au public marseillais. Aujourd'hui, on a appris qu'il a proposé sa démission à Bernard Tapie. Dans une lettre adressée au boss, comme il l'appelle, Jean-Pierre Bernès précise qu'il restera en dehors du club tant que son innocence n'aura pas été reconnue. Bernard Tapie a accepté cette démission, un fusible vient de sauter. Mais Jean-Pierre Bernès avait-il le choix? À partir de demain, il ne pouvait plus rencontrer Bernard Tapie, le contrôle judiciaire auquel il est soumis le lui interdisait. De plus, la Ligue devait prendre dans les tout prochains jours des sanctions contre les protagonistes de l'affaire. Bernès n'avait aucune chance d'y échapper. Sa démission ne change évidemment en rien sa situation face à la justice, mais par ce geste, il espère simplement protéger l'OM et son président. Jean-Pierre Bernès a toujours été pour le club un homme de devoir. Dans une interview accordée au JDD, le Valenciennois Bourutxaga confirme qu'il a bien eu Bernès au téléphone et que le directeur de l'OM lui avait demandé de lever le pied et de laisser l'OM gagner à Valenciennes. Avec nous, Noël Le Graët, président de la Ligue nationale de football. Première question, est-ce que vous avez une explication à cette démission sur laquelle vous étiez au courant? Vous avez été informé? Oui, j'ai été informé ce matin par Jean-Pierre Bernès qui souhaitait arrêter ses fonctions. Je crois que ça me paraît logique. Il est assez normal que Jean-Pierre Bernès quitte son poste. Mais vous savez, ça ne va rien changer à l'affaire. Il est certain que le juge et le procureur vont continuer à faire et que la Ligue, qui a les dossiers du football à gérer, eh bien, continuera à elle-même gérer le football et à s'intéresser à ce dossier avec Bernès ou sans Bernès. Ce n'est pas un peu le paratonnerre qu'on éloigne de l'OM? Non, je crois pas du tout. Je crois qu'il était logique. Cet homme est fatigué et ça se remarque. Donc il fallait qu'il quitte. Il a 36 ans. C'est un garçon qui peut, dans quelques mois, retrouver une fonction différente dans la vie, donner une nouvelle orientation à sa vie, quelle que soit sa façon de vivre de ces derniers mois. Je pense qu'à 36 ans, il peut encore retrouver un nouvel élan bientôt. Pourquoi avez-vous déclaré que le tour d'honneur effectué hier au stade Vélodrome était totalement indécent? Je crois que lorsqu'on vient de vivre des semaines comme nous venons de vivre, dans l'intérieur du football, on n'a pas le droit de se conduire de cette façon. Je sais que c'était très volontaire, mais je crois que c'est finalement plutôt une tournée d'adieu. Je crois que ça ressemblait à quelqu'un qui venait à Marseille, qui voulait peut-être refaire un dernier tour à l'OM, parce que c'était vraiment le dernier tour de Bernès à cette foule. C'est un peu indécent parce qu'excessif. Tout ce qui est excessif, tout ce qui ne cherche pas à rassembler et à unir dans le football est désagréable. Le football, précisément, est-il au-dessus des lois? C'est une bonne question que l'on est en droit de se poser après les incidents d'hier soir au stade Vélodrome de Marseille, illustrant une nouvelle fois sa conception toute personnelle de la liberté de la presse. Bernard Tapie a en effet interdit l'entrée du stade aux caméras de France 2 et de France 3. Avant d'entendre la réaction des responsables concernés, le président de la Ligue et Hervé Bourges, un rappel de cette navrante soirée avec Alain Escoubet sur des images d'André Germain. Les portes du stade Vélodrome hier soir pour des scènes qu'on aimerait ne plus jamais revoir. Pas de caméra, s'il vous plaît. Au début, le ton est calme, même s'il est désobligeant pour les équipes de télévision du service public qui possèdent pourtant toutes les accréditations nécessaires pour entrer dans l'enceinte du stade. Mais les ordres venus de la direction de l'OM sont formels. Les journalistes et caméramens de France 2 et de France 3 sont interdits de séjour. Il ne sert à rien de parlementer. Autour, ça commence à gronder, puis viennent les bousculades. Agression du caméraman de France 2, André Germain, puis insultes en tout genre. Allez,
les enculés. De quel droit vous photographiez? On sait que le public de Marseille est enthousiaste et passionné. Depuis 2 mois, l'OM est touché par l'affaire et c'est comme s'il était touché lui-même. Mais doit-on en arriver à de telles extrémités? L'autre jour, Bernard Tapie a lancé sa voiture sur un caméraman de France 2 qu'il a évité de justesse. La semaine dernière, il a envoyé la caméra d'un journaliste de France 3 par 20 mètres de fond. Et hier donc, il a interdit au service public le droit à l'information. Et maintenant, Hervé Bourges, dans un communiqué, Bernard Tapie affirme qu'il n'a fait qu'appliquer le règlement qui prévoit que les journalistes, les caméramans du service public ont l'autorisation de filmer les alentours et la conférence de presse seulement. Alors moi je voudrais dire d'abord qu'il faut essayer de restituer ça dans un contexte plus général et dire que ce sont des événements, même s'ils sont graves, qui ne sont rien par rapport aux événements du monde. Hein. Essayons de bien resituer ces événements par rapport à ce qui se passe en Bosnie, par rapport au problème du chômage en France, par rapport à un certain nombre d'autres problèmes. Mais c'est grave en soi parce que c'est une atteinte à la liberté de l'information et aux accords que nous avons signés. En effet, il est normal qu'il y ait des accords d'exclusivité. Et il y a des accords d'exclusivité qui ont été signés, qui permettent à certaines chaînes de pouvoir avoir les images d'un match que nous ne pouvons pas avoir. Mais France 2 et France 3, et grâce à l'accord que nous avons signé avec le président Le Gré au mois de juin 1992, ont l'autorisation de pénétrer sur tous les stades et de pouvoir filmer des images qui ne sont pas celles des buts, mais qui sont des images d'à côté, dans les vestiaires, on peut suivre un joueur, on peut en faire parler certains. C'est notre droit le plus strict. Eh bien, c'est ce droit qui est mis en question, et c'est grave. Et puis, il y a un deuxième droit qui s'appelle le droit à l'information, tout simplement, et qui est tiré de la loi de 92 aussi, mais du mois de juillet 1992, et qui permet à toutes les chaînes de télévision dans un pays démocratique de pouvoir diffuser, disons, des images, même si elles ne sont pas nombreuses et si elles sont réglementées. Alors, il ne faudrait quand même pas que des méthodes mafieuses qui sont en cours sur certains stades puissent devenir la règle générale. Il est anormal que des journalistes soient molestés, que les caméras soient jetées à la mer, que des actes de violence s'exercent à l'égard de ceux qui ne font que leur métier. Alors on peut contester la manière dont ils le font, on peut penser quelquefois à des provocations, c'est ce que disent certains dirigeants de clubs. Moi je demande à voir d'abord, et en tout cas on ne répond pas à ce que certains peuvent considérer comme des provocations par la violence. Sinon où allons-nous? Et je trouve que c'est très grave, je suis très en colère ce soir, même si je ne monte pas le ton, mais je le dis, je suis déterminé à protéger l'exercice de notre métier, à permettre à nos journalistes et à nos techniciens d'être présents partout, parce que c'est le droit de notre démocratie. Le Gret, vous allez convoquer les dirigeants marseillais cette semaine pour leur passer un savon de Marseille, bien sûr. Je voudrais d'abord revenir un instant sur ce que vient de dire M. Bourges. D'abord, il ne faut pas dramatiser cette affaire. Vous savez, nous avons signé un accord il y a un an, parce que le service public a été privé de football pendant 15 ans. Il n'y avait plus de football sur la chaîne publique depuis je ne sais combien d'années. Lorsque nous avons décidé tous les deux que les caméras pouvaient rentrer sur les stades, ça date de 12 mois. La saison 92-93 a été merveilleuse pour tout le monde. Tous vos journalistes ont travaillé sur tous les stades de France sans ambiguïté. Vous avez pu développer le football sur votre chaîne, des accords avec la 2e division, un magazine, et rentrer partout. Hier soir, il y avait 21 matchs en France. 21 matchs. Il y a 20 villes, 20 clubs qui sont parfaitement comportés. Et nous avons, à l'entrée du stade, c'est vrai, des images qui sont choquantes, qui sont médiocres, qui sont très médiocres. Mais nous avons aussi, et sans aucune démagogie, parce que je vous affirme que c'est vrai, des gens à Marseille qui aiment le foot. Vous savez, il y a beaucoup de monde à Marseille, sur tous ces matchs importants, nous avons peu d'incidents, vraiment peu. Il y a eu beaucoup de matchs importants à Marseille toute la saison dernière. Hier soir, il y avait encore 35 000 qui ont assisté à un spectacle. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le football, c'est le spectacle. Et c'est vrai qu'à l'entrée, quand je vois ces images, c'est choquant. Et bien entendu, nous serons... votre ami, puisque j'ai souhaité venir à votre émission ce soir pour vous dire d'abord la gêne du football professionnel, toute notre amitié à votre rédaction, et de faire en sorte, mais de façon très claire, vous savez, sans déclencher une grosse affaire, c'est pas la peine, on va régler ça tranquillement. Vous savez, ça s'est mal passé hier soir à Marseille, il suffit dès demain de prendre un rendez-vous avec Bernard Tapie, et c'est ce que je vais faire, parce que c'est mon devoir, c'est un président de club qui, à un moment donné, a donné peut-être une instruction qui ne correspond pas à la réalité ni à ce que nous souhaitons. Alors, soyez tranquillisés, vous pourrez continuer à travailler sur nos stades dès le week-end prochain, et sur tous nos stades, et même à Marseille.
Noël Legrette, je rappelle que vous êtes patron de la Ligue nationale de football. C'est vous qui êtes en quelque sorte à l'origine de l'affaire OM Valenciennes, puisque c'est vous qui avez porté plainte. Vous êtes partie civile, vous avez donc accès au dossier. Alors je vais vous poser la question tout à fait directement, puisque vous n'êtes pas tenu au secret de l'instruction. Est-ce que pour vous, le délit de corruption est établi? Oui, je crois qu'il est relativement clair. Mais vous savez, les journalistes, vous en savez autant que nous, étant donné que vous êtes très présents sur cette affaire, que tous les quarts d'heure, il y a des flashs, qu'à toutes les émissions, on parle de cette affaire. Donc, il n'y a absolument aucun secret. Je crois que, vous savez, le juge et le procureur travaillent très, très bien. Vous savez, cette affaire, il y a seulement 3 semaines d'enquête. Vous vous rendez compte, 3 semaines. En 3 semaines, on a beaucoup avancé. Et vous savez, c'est une affaire, finalement... De voyous, entre guillemets. C'est pas des affaires de football, ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont trompés, ont choisi une voie qui ne correspond à rien dans notre sport. Je crois que ces gens-là auraient dû très vite, dire oh, c'est vrai, allez, je me suis trompé. Ils auraient été punis avec nos règles de football, mais sans sanction, sans haine et sans véritablement cette pagaille médiatique qui dérive un petit peu. Est-ce que, selon vous, Bernard Tapie est impliqué? Je ne peux pas, vous en doutez bien, répondre à ce genre de questions. Je crois que Marseille est aujourd'hui non pas dans le collimateur, il y a une enquête. Il y a des gens sages à Marseille. C'est une ville qui aime le foot. Donc je crois que s'il y a des dirigeants qui ont souhaité trouver des matières détournées pour gagner un match, je crois que c'est condamnable, quels que soient les hommes. Est-ce que vous n'êtes pas... Oui. Je voudrais aussi séparer les événements qui se sont déroulés à Marseille et ceux qui se sont déroulés à Bordeaux. À Marseille, c'est manifestement des responsables qui ont interdit l'entrée du stade à nos équipes. À Bordeaux, ce sont des supporters du Paris Saint-Germain et qui échappent totalement aux dirigeants et qui sont d'ailleurs des supporters, entre guillemets, qui se sont attaqués à nos caméramans, comme ils le font au Parc des Princes. On va y venir dans un instant. Dernière question, Noël Legrette. Est-ce que vous n'avez pas un peu ouvert la boîte de Pandore? Qu'est-ce qui va se passer si on découvre que d'autres affaires de corruption touchent d'autres clubs? Je crois que c'est un peu regrettable. Nous souhaitons, nous, la vérité dans cette affaire. Vous êtes prêt à la grande lessive? Non, mais il n'y a pas de grande lessive à faire. Je vous affirme que tous les clubs de France travaillent très sérieusement. Il n'y a jamais eu autant de travail dans les clubs. Vous savez, les bilans, il y a 2 ou 3 ans, nous parlions de dépôts de bilan de partout. Le football au-dessus des lois, vous l'avez dit tout à l'heure, les lois, c'était de ne pas payer les charges sociales, de ne pas payer les impôts et de ne pas présenter des bilans cohérents. Aujourd'hui, ce problème se règle tranquillement. Vraiment, dans moins d'un an, tous nos clubs qui ont beaucoup travaillé sur un endettement lourd seront parfaitement en règle. Donc nous avons des dirigeants qui travaillent très sérieusement dans toutes les villes de France. Donc il n'y a pas, vous savez, le football, quartier, c'est une qualité d'essayer de savoir. Je crois que la facilité aurait été de travailler dans nos bureaux et de ne rien dire. Peut-être de prendre des accords pas très agréables pour la concurrence. Là, effectivement, c'est dommage, c'est triste, mais le football a très court terme. Vous savez, à très court terme. Et je suis très heureux qu'hier soir, il y avait 160 000 personnes sur les stades et que les joueurs ont donné un bon spectacle. Vous savez, cette affaire... C'est une affaire de bureau que nous allons régler dans les bureaux, mais le spectacle, le football est bien lancé et nous aurons une belle saison. Merci Noël Legrette. Hervé Bourges, j'y faisais allusion il y a un instant à ces incidents à Bordeaux hier soir où quelques dizaines de supporters parisiens PSG rimaient avec enragé. Environ 150 d'entre eux ont saccagé hier soir des bars ou des restaurants du centre de Bordeaux après la défaite de leur équipe 1-0 face aux Girondins. Là encore, le matériel de France Télévisions a souffert avec la destruction d'une caméra. Reportage François Privat, Nathalie Choc. Des vitrines de cafés et de restaurants endommagées aux abords du stade de Bordeaux. Tension entre supporters parisiens et bordelais à quelques heures du match. Girondins PSG, un choc du championnat de France de football sur la pelouse comme dans la rue. Ce soir, je vous le dis ce soir, s'il y a des parisiens qui vont être là, ça va être le bordel dans le stade. Le bordel, le monstre. Ça, je n'ose même pas imaginer quoi. Ça va être pire qu'à Marseille, ça continue. Ça va être pire que là-bas. L'entrée dans le stade se déroule dans un calme relatif. Les supporters du PSG sont isolés dans l'un des virages du parc Lescure, encadrés par un cordon de CRS. Nouvel incident. Cette fois-ci, ce sont nos confrères de France 3 Aquitaine qui sont agressés. Leur caméra est mise hors d'usage et leur voiture endommagée. Après le match, les supporters parisiens sont cantonnés dans le stade. Et c'est à leur sortie que des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. Durant la nuit, les policiers effectuent une trentaine d'interpellations dans les rues de Bordeaux. Ce soir, 2 supporters, un bordelais et un parisien, sont toujours gardés à vue. Les autres ont été relâchés sous contrôle et au compte-gouttes afin d'éviter de nouveaux incidents. Dernier élément de ce dossier, le communiqué publié aujourd'hui par Alain Carignon, ministre de la Communication, qui condamne les incidents de ces derniers jours qui marquent, dit-il, une montée de l'intolérance, un manque de respect du droit à l'information et du code de bonne conduite élaboré par toutes les parties concernées.
Nous passons maintenant au Tour de France. C'était la dernière étape cet après-midi et la logique a été respectée puisque le meilleur sprinteur, Abadjou Japarov, a remporté le dernier sprint sur les Champs-Élysées avant de retrouver l'homme en Amario. Si nous le retrouvons, Miguel Indurain, un rapide rappel de ses derniers kilomètres avec Christophe Duchiron. Miguel Indurain est un grand d'Espagne, c'est aussi un grand du Tour de France. Miguel Indurain donne des couleurs à la grande boucle. Le jaune lui va si bien, troisième victoire consécutive. N'en déplaise à ce gendarme, il est le porte-drapeau du cyclisme espagnol. Aujourd'hui, pendant un moment, le peloton s'est payé une petite balade, avec un cheval au galop, avec un bateau à moteur sur la Seine. Mais quand le peloton entre dans Paris, l'allure s'accélère. Il y a des audacieux pour tenter l'échappée. Il y a le peloton pour contrer les audacieux. On roule de plus en plus vite, on est pressé d'en finir. L'arrivée à Paris, c'est une grande loterie. Attention, la roue tourne, faites vos jeux, rien ne va plus. Sprint, Abdou Japarov en vert, Moncassin en bleu à sa droite, sprint agité. Abdou Japarov, le premier sur la ligne. Mais une arrivée qui a fait quelques vagues. N'empêche, à la limite de la régularité, l'Ouzbek remporte sa troisième victoire d'étape. Encore bravo. Bravo aussi à Tony Rominger, le Suisse à poids rouge, deuxième au général, le principal adversaire d'Indurain cette année. Bravo également au Polonais Jaskula, le troisième homme du Tour 1993. Lobo Miguel doit être en train de fêter sa troisième victoire consécutive. Nous le retrouvons peut-être d'ici la fin de cette édition. 51e victoire en Grand Prix pour Alain Prost qui a eu de la chance cet après-midi sur le circuit d'Hockenheim en Allemagne en soufflant une victoire qui semblait promise à son coéquipier Damon Hill jusqu'à l'éclatement d'un pneu de sa Williams à deux tours seulement de l'arrivée. Bref, il n'a pas eu de bol, comme dirait Bollé. Derek Warwick, 38 ans, une heure avant le départ. Pas de problème, dit-il. Et pourtant, ce matin, il a connu une incroyable sortie de piste. Sa voiture se retourne, choqué mais pas blessé Warwick. Il est au départ du Grand Prix d'Allemagne. Comme d'habitude, peut-on dire, Alain Prost rate son envol et connaît un premier tour plutôt agité. C'est d'abord un accrochage avec Senna à la première chicane. Le Brésilien se retrouve face à tous ses collègues. C'est ensuite pour Prost un tout droit à la troisième chicane. Prost qui sera pénalisé 10 secondes pour cette erreur. Michael Schumacher est en attente à la deuxième place, il est chez lui, 200 000 spectateurs sont venus l'acclamer. Prost arrêté 10 secondes donc, quand il repart il est troisième derrière Hill et Schumacher, il doublera sans problème l'Allemand mais restera une dizaine de secondes derrière Damon Hill en route vers son premier succès. Hill, Prost, Schumacher dans cet ordre et pendant ce temps les péripéties de la course. Ayrton Senna en pleine remontée bat le record du monde des changements de pneus, 4 secondes 81. Le Brésilien terminera finalement quatrième. Lutte brûlante pour la troisième place entre Blundell et Berger à 300 km/h. C'est la Ligier qui aura un peu plus tard le dernier mot. Il reste alors un tour à couvrir. Il est en tête, il va gagner. Et puis non, terrible coup de théâtre. Son pneu arrière a éclaté. Deuxième désillusion en 15 jours pour l'Anglais. Du coup, Prost chanceux récupère la victoire, sa 51e, et possède maintenant 27 points d'avance sur Senna au championnat. L'actualité à l'étranger avec une recrudescence du terrorisme en Turquie, à Istanbul. Tout d'abord, une bombe déposée près de la cathédrale Sainte-Sophie a explosé prématurément, semble-t-il, en faisant 4 blessés légers, dont 3 touristes. À l'est du pays, 4 touristes français ont été enlevés, probablement par des séparatistes kurdes du PKK qui avaient prévenu qu'ils multiplieraient les actions aux abords des sites touristiques. Florence Mavic a pu joindre au téléphone l'épouse de l'un des touristes enlevés. Prêtez l'oreille car la liaison est assez mauvaise. Nous avons eu des consignes de discrétion et nous tenons à cette discrétion pour la vie de nos époux. Je peux simplement vous dire que nous nous dirigions vers Vannes et à 80 km de cette ville, nous avons été arrêtés sur la route et que dans notre groupe, eh bien, ils ont gardé 4 hommes. Est-ce que les rebelles ont commis des brutalités à l'encontre des otages ? Absolument pas. Tout s'est passé dans le calme. Tout s'est passé dans le calme. Personne n'a réalisé tout de suite que ce serait une prise d'otage. Toutefois, je pense, a été le fruit du hasard. Ils ont pris 4 hommes, je crois. Ils n'ont pris ni les plus jeunes, ni les plus vieux. Est-ce que vous avez des nouvelles des otages? Nous n'avons pas de nouvelles, mais nous sommes quand même optimistes et persuadés que tout se terminera bien. La guerre en Bosnie maintenant, l'arrêt des opérations offensives négociées par le général Bricmont semble particulièrement précaire. Est-ce un symbole ou une bavure? Quelques heures après l'entrée en vigueur de ce énième cessez-le-feu,
Vous le voyez, une base de la Fort-Pronu a été pilonnée. Près de 70 obus sont tombés sur ce camp que des casques bleus français étaient en train d'installer à Sarajevo. Plusieurs véhicules ont pris feu, dégâts très spectaculaires, mais un seul blessé léger. Nous retrouvons tout de suite en direct de Sarajevo Laurent Boussier. Laurent, apparemment rien de nouveau sous le ciel de Bosnie, malgré cet accord d'arrêt des opérations offensives. Selon vous, ce pilonnage de ce camp de casque bleu français, est-ce que c'est une bavure ou une provocation? Bah, vous savez, c'est évidemment une provocation. Vous avez vu ces images, des véhicules blancs immobiles sur un parking. On ne peut pas les confondre avec autre chose. C'est une provocation, mais c'est aussi un signal. Il y a des gens que la paix n'intéresse pas. Il y a des gens qui veulent que la guerre continue. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette agression entre dans ce qui s'appelle le cadre des règles d'engagement des soldats des Nations Unies. Ça veut dire que normalement, ils peuvent répliquer et qu'ils peuvent aussi éventuellement aller détruire, à un moment ou un autre, les armes qui les ont agressées. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment même, en ville, à Sarajevo, il y a une réunion entre le général Bricmont, qui, vous savez, commande l'ensemble des forces des Nations Unies en Bosnie, et les hauts responsables militaires des Nations Unies à Sarajevo. De cette réunion devraient être décidées les suites à donner à cette agression. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de découragement des responsables de l'ONU de voir une nouvelle fois cette trêve, entre guillemets, anéantie quelques heures seulement après son entrée en vigueur? Ah, vous savez, de trêve et de cessez-le-feu, il n'y en a pas eu toute la journée. Aujourd'hui, ici, il y a eu des bombardements à Sarajevo. Alors c'est vrai, un tout petit peu moins important que les jours précédents, mais il y en a eu. Il y a une demi-heure à peu près, il y a trois obus qui sont tombés à 50 mètres d'ici, de l'immeuble de la télévision, juste derrière moi. Je le répète, il y a des gens qui ne veulent pas de la paix. Il y a des gens que la guerre intéresse. Il y a des gens que le siège de Sarajevo intéresse parce qu'ils gagnent de l'argent ou pour des raisons politiques, aussi bien du côté des Serbes que du côté des Bosniaques. Et puis, il y a des gens de bonne volonté, mais ceux-là, pour l'instant, ils ne sont pas très écoutés. Merci Laurent Boussier. Vous étiez en direct, je le rappelle, de Sarajevo. Dans deux jours, en principe, les négociations de paix, on vient d'en parler, reprennent à Genève. Nos envoyés spéciaux en Bosnie, Laurent Boussier, Bruno Girondeau et André Goulinet, ont constaté un renouveau de l'islam, même si on est encore bien loin du fondamentalisme à l'iranienne. C'était il y a deux jours à la grande mosquée de Sarajevo. Comme tous les vendredis, Alia Izetbegovic était là, mais détail significatif, le président bosniaque, arrivé quelques minutes après le début de la cérémonie, n'avait pas pu trouver de place à l'intérieur. Presque vide avant le début de la guerre, les mosquées de la ville connaissent, après 15 mois de siège et des destructions importantes, une affluence record. 41 ans, formé aux États-Unis, Mustafa Seric est le chef de la communauté musulmane de Sarajevo. Pour lui, cette recrudescence de la pratique religieuse est normale. Les musulmans eux-mêmes, avant la guerre, n'avaient pas conscience de leurs conditions. Mais avec ce qu'ont fait les Serbes et toutes les injustices commises contre nous, ils se découvrent musulmans et ils comprennent que c'est parce qu'ils sont musulmans que l'Europe les a laissés tomber. Et ils sont en colère. Mustafa Seric fait partie de ceux qui souhaitent la levée de l'embargo sur les armes. Déjà, dans les mosquées, aux côtés des notables de la ville, on peut parfois voir de jeunes soldats au visage grave. Ils font partie de deux unités autonomes de l'armée bosniaque, les brigades El Fatir et Sultan Fatir, composées exclusivement de musulmans pratiquants. Ceux-là se battent plus pour la foi que pour la Bosnie. En ville, peu de changements. Les femmes portant le foulard sont à peine plus nombreuses qu'avant. En revanche, les écoles coraniques font le plein. Ici, trois fois par semaine, l'AMIA donne des cours au programme l'islam, les prières, le Coran. Il y a une trentaine d'élèves, beaucoup plus qu'avant la guerre. Il y a de plus en plus d'enfants qui se tournent vers la religion. Parce que depuis le début de la guerre, ils restaient trop longtemps à la maison. Et leurs parents sont très contents qu'ils aillent à la mosquée. Malgré ce renouveau religieux, les adeptes d'un État purement musulman en Bosnie restent encore minoritaires, même si parfois dans les mosquées, les discours se radicalisent. Et si le spectre du fondamentalisme agité par la propagande serbe n'est encore qu'un prétexte, à Sarajevo, on n'en est déjà plus à l'islam tolérant et ouvert qui prévalait ici avant la guerre. Israël est passé des menaces aux actes en menant aujourd'hui sur le territoire libanais une douzaine de raids aériens sur des bases du Hezbollah pro-iranien ou du FPLP. Selon la police libanaise, trois soldats syriens et huit Libanais, dont un responsable du Hezbollah et sa famille, ont trouvé la mort dans ces bombardements. Tout de suite le point avec Charles Anderlin de Jérusalem.
Après 3 semaines de tensions, Israël est finalement passé à l'offensive. Son aviation bombarde systématiquement les bases du Hezbollah et des positions palestiniennes au Liban. Ces raids ont fait aux dernières nouvelles 10 de tués et 40 de blessés. L'organisation intégriste riposte en tirant des salves de roquettes en direction du territoire israélien où on signale 2 blessés légers. La population de la zone frontalière est dans les abris depuis ce matin et n'en sort que pour constater les dégâts. C'est tous les jours la même histoire. Et chaque fois, c'est dans les abris, le travail, les abris. Et aujourd'hui, ça a été vraiment la panique complète. C'est dans ce contexte que les médias israéliens évoquent l'éventualité d'une offensive terrestre. La télévision nationale montre depuis plusieurs jours les concentrations de troupes à la frontière. Les soldats qui attendaient patiemment l'ordre de passer à l'action. Mais surtout avec la mort de 3 soldats syriens au Liban au cours des bombardements israéliens, la tension entre Jérusalem et Damas est très vive. Et le secrétaire d'État américain Warren Christopher, qui sera au Proche-Orient dans 6 jours, devra peut-être négocier un cessez-le-feu plutôt que de parler d'une relance du processus de paix. Oui, un 4e soldat syrien vient de mourir de ses blessures après ces bombardements. Et Charles Anderlin, vous le disiez, la tension est particulièrement vive entre Damas et Jérusalem ce soir. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, et la reine Sophie ont assisté ce matin en la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle à la traditionnelle messe du pèlerin, célébrant l'année sainte. C'est le cas chaque fois que la fête de l'apôtre Jacques coïncide avec un dimanche. Les souverains espagnols ont pu voir 9 ecclésiastiques lancer la bota fumeiro, une sorte d'énorme encensoir de 60 kilos, destiné à la purification spirituelle, mais aussi à l'origine à la purification de l'atmosphère, car au Moyen-Âge, on ne se lavait pas trop souvent. En l'an 1200, il y avait, selon les historiens, environ 250 000 pèlerins. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 25 000 qui, venus de toute l'Europe, marchent pendant 2 mois pour certains pour rejoindre Saint-Jacques. Reportage Marc Maisonneuve, Christian Leroux. Scène d'arrivée courante devant la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Ces pèlerins au catholicisme apparemment expansif sont espagnols. Pour eux, marcher 10 à 12 heures par jour par 35 degrés à l'ombre ressemble plus à une performance sportive qu'à un acte de foi. Ici, c'est le début du chemin vers Saint-Jacques. Pour Bob et Petra, hollandais, il s'agit avant tout d'une marche vers soi, plus que vers Dieu. Quand vous marchez, vous ne pouvez pas emporter de choses luxueuses. Vous devenez conscient de votre vie et vous devenez conscient que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses. Bob et Petra sont partis du Puy-en-Velay, comme le premier pèlerin en 950, l'évêque Godescal. Aujourd'hui, ils sont accueillis par les frères de l'abbaye de Conques, comme les pèlerins du Moyen-Âge, gratuitement, le temps de se reposer avant de reprendre la route. Bien souvent, on est tenté de s'installer dans notre vie professionnelle, vie familiale, vie de relation. Et le pèlerin, eh bien, lui, nous dit qu'un jour, il s'est désinstallé, il s'est mis en route. Et quand il passe, eh bien, il dérange les gens qui sont installé. Et nous, il nous rappelle qu'on n'a pas à s'installer, justement. Depuis 1987, Saint-Jacques de Compostelle est le premier itinéraire culturel européen. D'Amsterdam, de Bâle ou de Turin, les pèlerins convergent vers Estrella, en Espagne. Le point où les catholiques, solidement encadrés, rencontrent les amateurs de trekking mystique, comme Mercedes, qui marche malgré les ampoules. C'est très dur, mais j'y arriverai. Certains pèlerins plus fervents marchent pendant 1800 km pour embrasser les pieds de l'apôtre Jacques, toucher la pierre du front, faire un vœu et pénétrer dans le reliquaire. Mais rares sont ceux qui avancent la foi chevillée au corps et ceux qui s'étonnent que l'ambassadeur de Saint-Jacques 93 soit Julio Iglesias pour un contrat d'un montant de 15 millions de francs. Spectaculaire catastrophe aérienne en Colombie où un bimoteur s'est écrasé sur un quartier de la capitale, Bogota, provoquant la mort des 7 personnes qui se trouvaient à bord et de 7 personnes au sol. L'avion, qui avait été confisqué à des trafiquants de drogue, a heurté un garage automobile en s'écrasant. À Nantes, incendie dans une maison de retraite, une pensionnaire a été tuée et 3 autres intoxiqués par la fumée. Sandrine Goldschmidt. C'est pendant le sommeil des pensionnaires, vers 5h30 ce matin, que le feu se déclare au premier étage d'une maison de retraite de Nantes. Alerté par l'alarme, l'interne de veille découvre une épaisse fumée qui vient d'une petite pièce où des meubles sont entreposés. Les pompiers prévenus, il commence lui-même l'évacuation. J'ai crié aux personnes qui essayaient de sortir de leur chambre, de rester dans leur chambre, de fermer leurs portes pour éviter justement que la fumée aille dans leur chambre et qu'elle soit asphyxiée.
Puis bon, le premier étage, j'ai pu rien faire. J'ai attendu les pompiers qui, ont été vraiment super. Malgré la rapidité de l'intervention des pompiers, une femme a péri asphyxiée par la fumée qui a envahi tout l'établissement. 3 personnes intoxiquées ont dû être hospitalisées. Les autres pensionnaires, une soixantaine, ont été évacués vers 4 établissements de la région. Avant de vous souhaiter une excellente soirée pour la Saint-Jacques, ce petit cadeau à Violet, notre rédacteur en chef adjoint, c'est quelques notes modulées par une cantatrice albanaise de 30 ans, Ivna Mulacako, lauréate du premier concours Placido Domingo, l'une des vedettes de l'émission spéciale Tunisie au cœur, animée par Frédéric Mitterrand et Ève Ruggieret, ce soir à 22h50. Après le film Faux témoins, vous allez retrouver Isabelle Huppert en Femme fatale, musique au cœur, donc spéciale Tunisie. Puis le dernier journal, Rémi Roche, vers 00h30. Demain à 7h50, Daniel Hugo recevra dans les 4 vérités le directeur de l'Agence française de lutte contre le sida. Dans quelques instants, la météo, signée ce soir Isabelle Martinet. Ciel capricieux au nord et ensoleillé au sud. À demain 20h. Excellente soirée, merci.